Bonjour, bonjour les amis. Je vous reviens avec une petite recette. Cette recette est basée sur la tomate. Nous allons essayer aujourd'hui le masque facial à la tomate. Vous allez me demander comment est-ce qu'on peut faire un masque facial à la tomate. C'est très simple. Vous allez dans votre panier de légumes, vous prenez une bonne tomate. Une tomate qui est bien mûre et douce. Une tomate mûre comme celle-ci-là, vous voyez, elle est mûre et elle est douce, elle n'est pas touchée. Vous la coupez, vous divisez en deux, j'ai déjà divisé une, que vous prenez comme ceci. Une comme ceci, regardez, elle est bonne. Avant de faire votre masque facial, il faut qu'au préalable, vous nettoyez votre visage avec votre lotion faciale. Moi, j'ai ma lotion que j'utilise là. Vous savez, je fais par la possibilité des produits. Donc, je prends ma lotion que je nettoie d'abord mon visage. Après avoir nettoyé mon visage, alors je prends ma belle tomate comme ceci, comme celle-ci, que je pars sur mon visage avec la tomate. Tout délicatement, je mets sur mon visage, j'embaume mon visage avec ça, je macère mon visage tout délicatement, j'évite les contours de mes yeux, je macère mon visage tout délicatement avec la bonne douce tomate. Je fais comme ça toute la bonne chair là, même avec le pépin, il n'y a pas de souci parce que le pépin aussi a son jeu, son rôle et ça essaie de faire un petit gommage, mais et puis la chair. Ça hydrate la peau. Donc vous faites ça, je peux pas faire ça. Pour faire ça, il faut d'abord mettre se protéger. Donc quand vous voulez faire ça, soit vous faites ça au moment où vous voulez faire votre bain, ou bien vous mettez d'abord quelque chose là, un linge pour vous protéger. Et là, vous mettez, c'est-à-dire vous faites macérer ça, cette tomate très délicatement sur le visage, là, un peu partout, partout. Vous faites ça un peu partout jusqu'à ce que toute la bonne chair de la tomate pénètre sur votre visage. Vous faites partout là, tout, tout, jusqu'au niveau du cou aussi. Tout ça, vous faites entrer tout sur votre cou et tout. S'il y a même reste, vous faites ça sur les doigts. Vous faites ça sur votre doigt. Vous faites ça. Et donc, vous faites aussi ça sur le doigt, comme ça là. Vous faites ça sur les doigts, sur ça. Donc, et vous restez 30 minutes avec. Durant les 30 minutes, les vitamines que la tomate contient vont agir aussi sur votre peau. Et ça va aussi, l'eau que la tomate contient va hydrater votre peau du visage. Après les 30 minutes, vous lavez votre visage à l'eau fraîche et avec un linge très propre. Vous séchez le visage, vous séchez le visage tout délicatement. Et après ça, vous mettez votre crème faciale. Vous verrez que votre visage est doux et frais. Essayez ça quand vous avez peut-être une réunion avec des amis ou bien un apéro. Pour vous faire plaisir, vous essayez ça, vous verrez que votre visage est frais durant toute la journée. Et vous faites comme ça, vous pouvez faire comme ça même 3 fois par mois. Vous gardez le visage frais. Merci. Essayez. Allez, ciao.